mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a un plaisir pour nous ensemble avec vous. Journée un lundi 10 septembre 2018, là, dans l'occasion ouverture Ligue des Nations contre CONCACAF dans le stade Vieux-Cator pour Haïti. C'est pral, donc le premier match sélection nationale là, dans le cadre de la compétition SAA, qui c'est la première partie là, qui va le dérouler dans une phase qualificative Haïti contre la sélection de Saint-Martin. Saint-Martin, c'est parti à néerlandaise là, qui lui-même va disputer une rencontre dans le stade Vieux-Cator d'ici quelques instants contre la sélection haïtienne de football. Il y a un match qui va le dérouler sous un signe ou encore une autre liste. Il y a un moment de deuil, il y a un moment côté et donc football national là lui-même. Li est donc dans une situation compliquée puisque matin là nous apprenons l'amour entraîneur Real Hop du Cap Haïtien, ancien international haïtien et joueur de l'Aigle Noir Athletic Club du Bel Air. Il s'agit de Rosemont Pierre qui lui-même dans un accident du côté de la Caye. Li passé de vie à trépas, nous profiter de l'occasion ça tout pour nous envoyer ses patins à famille et toute proche de Rosemont Pierre. Et c'est dommage, c'est dans un moment ça que l'équipe haïtienne lui-même va entrer dans la bataille. Ils ont pensé, nous espérer donc victoire ça, lui va jouer une famille, victoire que l'équipe haïtienne lui va gagner pour le faire jeudi. Et puis elle capable de jouer une famille ça en façon pour capable soulager et peigner Haïti contre Saint-Martin. Saint-Martin patiné néerlandaise, nous rappelons ça, dans le cadre ouverture compétition 1. Nous avons dit une compétition qui démarrait depuis 6 septembre avec divers matchs qui déjà joué. Parmi eux, il y a Cuba, que Haïti a bien pour rencontrer dans le cadre de la qualification Ligue des Nations contre CONCACAF, qui lui-même fait une belle victoire. Cuba qui déjà bat. Mais surtout, ce qui est important pour que nous retenions et que nous devons connaître dans le cadre de Ligue des Nations contre CONCACAF, c'est une nouvelle compétition que la CONCACAF mettait sous pied. Certainement, il a fait tout en Europe et la CONCACAF mettait sous pied lui-même pour que il soit capable de supprimer et différents matchs amical manqué ou encore sans importance si qu'on est habitué et organisé ou encore déroulé côté que équipe yo qu'on manqué mettez et donc tout yo même dans en cas de match ça yo et tout gagner des tout comme Saint-Martin qui qu'on a passé des années côté que yo pas donc affiché yo dans moment ou encore dans date FIFA yo. Et donc pour rappel Saint-Martin était fait de 2014 à 2016 yo pas joué. Et donc un match après de 2 ans, ils n'ont pas joué match officiel, donc ça fait que ils ont supprimé match ça. Ils ont compétition qui était lancée en novembre 2017, ils ont tirage au sort qui était fait en mars 2018. Haïti connaît donc un ligue pour rencontrer à Soyala, Saint-Martin, patiné irlandaise là, ligue pour rencontrer Cuba, Sainte-Lucie, Nicaragua en cadre compétition ça. Qui ça qui est important dans la compétition ça? Certainement Libral servi de qualification pour la Gold Cup 2019. Compétition ça a tout pral servi donc yon phase qualificative pour que qui pral déboucher sous qualification pour la Coupe du monde de 2022, Coupe du monde ça qui pral fête à partir de Ligue des Nations contre CONCACAF là. Ligue des Nations contre CONCACAF là, édition inaugurale là ou encore phase qualificative là, c'est lui commencer là, mais certainement gagner trophée en jeu, c'est pral à partir de 2019 et en septembre 2019 qui pral faire phase finale compétition Ligue des Nations de la CONCACAF. N'a pas rappelé encore que Libre a servi qualification pour la Gold Cup de 2019 qui lui-même pral déroulé avec élargissement 16 formations Gold Cup là qui dans le temps pas de compte fait avec 16 équipes. Et bien c'est 16 équipes qui pral jouer la Gold Cup de 2019. Et bien mesdames messieurs, Jean que vous capable constater là, nous en direct depuis stade national Silvio Cator, côté que gagné public là qui lui-même timidement fait déplacement dans tribune là, nous déjà remarqué quelques et donc artistes qui gagnent tout des anciennes gloires qui ont même présent dans tribune officielle stade Silvio Cator. Au niveau de gradéen, oui, nous avons commencé à faire déplacement, mais c'est pas en grand nombre. Est-ce que ces situations pluvieuses qui lui-même est capable de faire mounio antigen douter pour que faire déplacement? Est-ce que tout c'est manquer confiance dans la sélection ça qui fait que Mounio est timide? Est-ce que tout c'est prix match là qui paraît trop haut pour nous, n'a pas rappelé, et que gradéen c'est 250 goudes et puis tribune c'est 1500 goudes pour rencontre ça entre Haïti et la sélection de Saint-Martin. Haïti, nous connaissons 11 de départ équipe haïtienne là, 11 de départ formation haïtienne pour rencontrer formation Saint-Martin. C'est bien donc Johnny Placide, oui Johnny Placide, célèbre l'ancien club, mais il a toujours été capitaine sélection nationale là. Johnny Placide, capitaine et pral garde cage équipe haïtienne. Une défense à 3, Meshach Jérôme, numéro 3, James Geffrard et numéro 6, et puis pral associé avec Ricardo Adé, lui-même qui a
évolué avec numéro 4 et toujours dans l'équipe haïtienne et pour formation haïtienne dans mitan terrain c'est une équipe 3-5-2 Jacques Zelan avec Arcus Callens avec Sonny Musiva avec Brian Alceus et puis Will Donald Guerrier qui a gagné comme milieu organisateur un certain Ewald Junior Charles qui s'est lui-même mettre à jouer équipe Cibao football club là dans le pays République Dominicaine. En attaque Haïti Gal évolue avec Duke Nazon et ensuite Franzi Pierrot qui lui-même a évolué au niveau et lui-même a évolué au niveau donc de Portugal. Nous t'as capable essayer ouais si nous t'as capable prendre réaction yon moun qui lui-même présent dans stade là et ou encore gagner président et commission ou encore responsable communication commission événement en spécial Gentil Tessieux qui a pour rejoindre nous là. Gentil Tessieux qui peut essayer et donc dit avec nous ou encore pour quelques éclaircissements sur l'organisation match ça. Côté éclaircissement tout, tout ça qui vient à ouais avec l'événement ça. Édition en Ligue des Nations de la CONCACAF, première édition. Gentil Tessieux, responsable communication et commission événement en spécial qui lui-même en chargé pour organisation toute. Et compétition qui a fait au niveau de la CONCACAF, au niveau de la Caraïbe, dans le stade Silvio 14. Gentil Tessieux, nous saluons notre foi. Et fanatique, vous même suivi la Cayola. Organisation match ça, c'est qui salue pour Haïti. Bon, moi salue tous les amis téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Organisation match ça, c'est toute disposition que la commission en prend et pour les capables en réussite totale. Et nous prenons toutes dispositions, mais nous suivons, nous voyons que ils ont plus ou moins respecté cette fois-ci. Cette fois-ci, nous pas capables d'appliquer sans participation totale de la police nationale. Eh bien, nous suivons, nous voyons que jusqu'à présent, la police a appliqué toute sa sécurité prévoit. Ça fait que jusqu'à présent, les gens qui rentrent dans ce stade-là, c'est les gens qui ont accès. L'idée fondamentale pour nous, parce qu'en plus de fois, le stade-là débordé, les gens qui ont un ticket n'ont pas joué une place. Eh bien, nous prenons des mesures pour les gens qui n'ont pas un billet, pas un accès du tout dans la coupe avec un stade-là. Ça fait que il y a moins de pression sous barrière-là. Les gens vont prendre sans problème dans ce stade-là. Jusqu'à présent, satisfaction pour la commission des événements spéciaux. Oui, jusqu'à présent, nous avons satisfaction. Donc maintenant, et côté public, nous encore obtenons des spectateurs dans le stade national Silvio 14. Et Jean que nous t'ai dit environ 2 heures avant que d'envoi rencontre là, nous avons un gros et demi qui c'est mauvais temps. Parce que nous connaissons un peu le monde peur la pluie. Et ça arrivait vraiment, l'air la pluie tombée par au point, situation compliquée pour nous retourner à la caillou. N'empêche que nous avons gagné et milliers pluriels et qui débarquent et viennent dans ce stade-là. Nous avons encore d'autres spectateurs pour venir remplir gradin, tribune et stade Silvio 14 pour encourager acteurs dans le début, dans la nouvelle compétition, ça, qui c'est la Ligue des Nations de la Caraïbe. Le football national là en deux, j'en cite sûr, après nouvelle lambeau, Rosemont Pierre, entraîneur Real du Cap, au niveau de commission, hein, qui disposition qui prend après réunion? Bon, et fédération attristée en pile par nouvelle ça, l'être qui a été apprendre. Et si Rosemont mourit, dans la condition que les mourir, il y a un footballeur qui te baille plaisir à tout haïtien. Il y a un footballeur qui était consacré à défendre et à porter couleur pays, à jouer dans la sélection nationale, marquer goal au pays. Tout ça dans la condition, ça l'a mouru dans l'insécurité du côté de la CAE. Ça fait monde football la mal, mais haïtien en général. Parce que c'est heureusement, ça fait écho, mais n'importe qui est capable de tomber dans cette situation ça et gagner un pile qui tombe dans cette situation ça. Maintenant, au niveau de la commission des événements spéciaux, qui gagne responsabilité organisée rencontre là, et automatiquement nous avons appris une nouvelle DCA, disposition pour observer 1 minute de recueillement dans la mémoire de Rosemont. Et on avait planifié aussi que tout joueur a porté un bois à noir et dans le match après-midi. C'est ensemble des dispositions du monde. Merci TNH, nous entrons dans la logique et acquisition de droit. Son nouvelle formule, le football international, là, nous rentrons là-dedans, c'est bien. Téléspectateurs, nous ne sommes pas capables de vivre match avec nous. Merci, précision, gentil monsieur. Mesdames, messieurs, c'est prêt à entrer deux formations yo, sous pelouse, Stade Silvio 14. Haïti, ce matin, ouverture, Ligue des Nations de la CONCACAF. Une nouvelle compétition dans la zone CONCACAF là, pour Haïti, qui a en pile importance. Nous espérons que la sélection nationale là, il va être capable, lui-même, faire un très, très bon résultat dans le cadre de match. Nous gagnons 2 points pour que nous faire victoire avec l'âge sport, mesdames, messieurs.
pral gagner pour nous retrouver en terre. Nous allons reprendre avec l'équipe qui est déjà sur le plateau. Jérôme Pierre, Pierre-Miguel, Pierre-Gilles, monsieur Antenne Namen. Voilà, madame, monsieur, bonsoir. C'est avec un peu de plaisir nous retrouver au niveau stade Silvio 14 pour le match entre la sélection haïtienne et l'équipe de Saint-Martin. Alors, nous très, très contents d'accompagner au niveau stade Silvio 14 parce que pral gagne football, pral gagne plaisir et nous souvent deal pour le plaisir et pour le foot. Et à présent, nous pral permettre tout un des hymnes national de Saint-Martin. Après ça, madame, monsieur, nous pral rejoindre Estiven Dieudonné qui pral recueillir impression Stéphane Guillaume. Voilà, madame, monsieur, et où elle déjà comprendre comment situation est, lui-même ambiance là, lui-même lié dans le stade national Silvio 14. Haïti contre la sélection de Saint-Martin. Tout à l'heure, on se suit hymne national de formation yo, avec hymne national Panouan, qui c'est la Dessalinienne. Nous avons avec nous Stéphane Guillaume. Stéphane Guillaume qui lui-même vient assister avec rencontre ça. Nous connaissons Stéphane Guillaume lui-même n'est pas à évoluer dans le pays, mais Stéphane Guillaume a investi tout dans le social et dans le développement sport. Stéphane Guillaume, ou même avec toujours 24 ans. Donc, sélection nationale, là, je veux d'abord comme salut tous les auditeurs et fanatiques, téléspectateurs et tout. Donc, je suis content pour vous, avec vous. Je demande ça, toujours fait un plaisir pour vous regarder, pas seulement les sélections, mais tout, et équipe adverse. Bien que par rapport avec nous-mêmes, je dois dire non, il va faire poids avec par rapport avec ici, mais. Nous voulons soutenir le football dans cette question. Donc là, il est vraiment intéressant pour regarder le football. Ça, pour moi, exactement, groupe ça, qui gens qui vont le performer et contre nos équipes. En tant que joueur et ancien joueur de sélection nationale, il y a 11 de départ avec Jeff, lui, qui est sous banc, qui va démarrer, mais Charlie Wall Junior, organisateur. Comment est-ce que ça? Pas mal du tout. On a regardé Jeff Louis, nous connaissons le talent là déjà, nous connaissons quel type de joueur que lié. Mais avec santé, est-ce que santé est vraiment libre? Comme j'ai coupé où, Stéphane, puisque nous allons observer une minute de silence dans la mémoire Rosemont Pierre, qui lui-même tombé jeudi à dans un camion accident de circulation. Ancien joueur et de rappel d'Haïti, c'est Rosemont Pierre qui mourit matin. Voilà, mesdames, messieurs, nous prenons le gain pour nous retrouver plateau. Stéphane, pour connaître match ça, il y a en pile importance, c'est pour cette équipe-là. Nous avons gain pour nous à tout moment pour que nous continuions avec Tico Zbia. Jérôme Pierre, Pierre-Miguel, Pierre-Gilles, déjà sous plateau. Monsieur, à vous l'antenne. Voilà, nous sommes suivants une minute de recueillement, une minute de silence. Nous avons Rosemont Pierre, Rosemont Pierre qui était fait les beaux jours de l'Aigle Noir. Rosemont Pierre que en pile monde qui remet football, en pile monde qui remet bon football, c'est qu'on a vraiment admiré qualité football Rosemont Pierre, malheureusement, qui tombait matin dans une circonstance très très difficile. Donc nous avons pour nous retourner sur ça pour nous parler un peu plus de Rosemont Pierre. Qui tombait matin et c'est dans nos messieurs et que nous sommes observés minutes de silence là. Et c'est parti, madame, messieurs, pour la première manche. Et nous trois, Estiven Dieudonné, Pierre-Miguel, Pierre-Gilles et moi-même, Pierre-Jérôme, pour assurer votre transmission ça. On a tout d'abord salué Pierre-Miguel, Pierre-Gilles, bonsoir. Bonsoir, Jérôme, bonsoir tout le monde qui branche télévision nationale d'Haïti dans le SA. Nous comptons rejoindre nous pour match Haïti contre Saint-Martin dans le stade Silvio 14, dans l'occasion première journée Ligue des Nations de la CONCACAF qui est une nouvelle compétition dans la zone. C'est ça. Allons donc pour l'équipe haïtienne. On passe en retrait pour Ricardo Até qui joue dans Meshack Jérôme. Meshack Jérôme de ballon. Hein. L'a joué dans Jacksonville aux États-Unis. La réception de Arcus Collins. Est-ce qu'il y a faute? Arbitre central. L'IPA ouais. Faute. On touche que le bail pour l'équipe Saint-Martin. Ça c'est Saint-Martin néerlandais. Il y a deux Saint-Martin. Ils ont Saint-Martin néerlandais
yon Saint-Martin et donc français. Donc ça c'est Saint-Martin néerlandais. Entre-temps donc gagné Arcus Callens qui était à terre et de peur que de mal puisque Arcus Callens a pas levé pour le capable continuer maintenant pour l'équipe haïtienne. Touche le fait rapidement et par Remsley et Bellin, ballon contrôlé et par Rick Depounde, ballon perdu. Arbitre central là qui peut jouer là. Libre le ballon pour l'équipe de Saint-Martin. Il y avait hors jeu signalé par l'un des arbitres assistants. C'est un coup franc pour l'équipe de Saint-Martin. Tout de blanc vêtu. Suivante petite camarade, monsieur. Renonce pour le fait. Attention. Et par Bellin. Remsley Bellin. La déviation. Messac Jérôme. En retrait pour Johnny Placide. Johnny Placide, Ricardo Adé. Ricardo Adé, gain ballon. L'église pour Arcus Callens. Arcus Callens. L'ijoué dans le terrain. On passe latéral. Bon bagaille. Bon bagaille. L'ijoué dans le terrain. Ballon à gauche. Attention, James Jeffra. Passe dans le terrain. On remet sur Meshack Jérôme. Meshack Jérôme joue en profondeur. Très bonne passe. Contrôlé Donald Guerrier. Donald Guerrier met le ballon à la tête. Pète au gilet. Donald Guerrier. Donald Guerrier. Donald Guerrier. Oh là là. Et Steven Dieudonné, bon début de match pour l'équipe haïtienne. Et Jérôme, bien vous sentez que l'équipe haïtienne lui-même livré dès l'entame du match pour l'initiative jeu là. Et déjà, il est arrivé dans le camp adverse là à deux reprises. Premièrement, il était dénouché sur hors jeu. Deuxième, il y a un débordement tenté par Will Donald Guerrier. Mais dommage pour lui, contrôle là, c'est un peu trop long. Ballon allé dehors. Donc nous espérons le débordement ça ou bien. Il n'a bien pour nous arriver prochaine occasion. Dans le camp équipe ce matin, il va déboucher sous goal. Puisque match ça yo. Pas match ça, nous match ça yo dans la Ligue nationale contre Kakafla. À chaque fois où jouer une possibilité de marquer, c'est fait. C'est goal avec point qui compte. C'est ça qui va permettre tout. Et mieux classé, soufflé dans le groupe. Ballon pour Arcus Callens. Arcus Callens, le contrôle de et la passe en retrait. Et c'était Dukens Nazon. Attention, yon passe en retrait. Regardons renversement de jeu de Ricardo Adé. Donald Guerrier, bon contrôle. Le centre de Donald Guerrier. Attention, Lika mette frappe là. Dukens Nazon, ballon repoussé. Tout à l'heure, c'était Franzi Pierrot qui contrôle lui. Monsieur gros garçon, Franzi Pierrot, hein. Ballon pour Ricardo Adé. Ricardo Adé, Ricardo Adé, Arcus Callens, Arcus Callens, il peut s'entrer, mais non. Mais non, le ballon ne sort pas. Donald Guerrier, un intervention fait sur Donald Guerrier et son ballon qui se tient touche. A rappeler que Donald Guerrier a joué dans le pays Azerbaïdjan en équipe FK Karabag. Ballon donc FK Karabag qui prend le jeu Europa League face de groupe Anessa. L'année dernière, tenant Ligue des Champions Anessa, il est Europa League. Ballon donc pour l'équipe haïtienne. La déviation signée et le numéro 10 de l'équipe haïtienne. Attention, on passe en défense. Meshack Jérôme, Arcus Callens, Arcus Callens. Yo vient demander lui, li pa bay li. La personne est rentrée, ballon taclé. Ricardo Adé qui ballon. Ricardo Adé, la passe dans le couloir. Attention pour Pierrot, Frenzy Pierrot. Mais non, la couverture est assuré par le défenseur de Saint-Martin, en l'occurrence Giovanni Anthony, donc qui prend le capable et replacer lui avant que et bien relance le fait. Goal qui pèle Jean-Philippe Sylvestre prend le capable de faire relance là pour l'équipe de Saint-Martin. L'équité pour Ariely Remsley Bellin qui balance le son ballon qui pourrait pouvoir joindre facilement le portier haïtien et Johnny Placide. Meshack Jérôme, Ricardo Adé, Ricardo Adé, l'équité le pour Sonny Mustivar, Mustivar joue en profondeur, l'étape se joigne, Dukens Nazon, ballon capté par Jean-Philippe Sylvestre, qui roule un peu à droite, ballon dégagé, Mounio pas qu'à faire des ballons, il n'y a pas quelqu'un technique pour ça, ballon Meshack Jérôme, c'est à nous pour faire la différence là, et monter sous Mounio, passe de Ricardo Adé sur le flanc droit, réception de l'intérieur du pied droit, bon bagage. Intervention face sous lit. Attention, Chaloual Junior, déviation manquée, bataille.
dégagement fait, ballon pour l'équipe de Saint-Martin. Il va le perdre. La passe donc de du numéro 21. Attention, il a parlé de Bernard Seus. Ballon pour Chaléol Junior. Il joue en dedans. La passe de Bernard Seus. Ballon de terrain. Sonny Muskiva. La passe pour Donald Guerrier. Contrôle poitrine. Bon bagaille. Et pas quoi non? Et Steven Dieudonné. Écoutez, Steven, permettez-moi Steven pour me dire que parce que Jean-Donald Gaillé fait contrôle, son contrôle poitrine orienté. Elle dit qu'il fait geste là, mais ça va être normal. Mais il n'y a pas de carré à terre. Il faut qu'il le veille. Mais il fait mouvement parce qu'il fait partie pour lui. Et qu'on ne va pas capable de faire mouvement sans que ou pas de élan, bras qui fait. Donc voilà, c'est un mauvais coup de sifflet. Et pour de coup de drapeau. Un mauvais coup de drapeau. Oui, parce que c'est un coup de drapeau et un mauvais coup de sifflet. Entre autres, ballon donc, on te date de dribble. Ça ne fonctionne pas. Ballon pour l'équipe de Saint-Martin. Il a essayé de monter. Prends la pile. La passe en retrait. Attention, on n'est pas contre jouer, non. Attention, Dukens Lazon, on peut mentir, et Dukens Lazon. Faute de précipitation. Donc, pour Ryan In, monsieur René Ryan, Hawk In. Attention, ballon donc, ce qui sortit en touche, ballon dans la défense centrale, on passe en deux pour Meshak Jérôme jeune, Sonny Mustiva, qui est ballon en retrait pour. Et Meshak Jérôme passe pour Callens, accuse de son prénom, le seul nouveau là, non c'est pas vrai, et le plus normalement du monde, il ne peut pas arrêter pour ça, il fait ça qui est nécessaire là. Oui. Il fait ça plus facile pour lui parce qu'il n'y a pas de le contrôler. Lui. T'as l'entente de son gagner Donald Gaillet par il prend ballon. Oui. Il mettait l'enconner. Il n'y a pas arrêté pour ça. Entre temps. Moi, mes pressing équipe haïtienne dans le jour. Justement, attention, qu'on est beauté à la Rémoise. Ballon Chaléol Junior. Le centre. Bon. Non. Franzi Pierrot, 1m84. Franzi Pierrot. Joueur Victoria, c'est tout balle. C'était une occasion au moins pour te oui, score. Ça c'est balle 1-0 à Kelly. Je ne sais pas si Pierre Miguel a partagé même ma vie. Et coup de sang ça, et puis reprise tête Franzi Pierrot. Qui dommage, ballon a monté tête corps. Et bon, et nous, ouais, là, sous action ça, équipe haïtienne, nous avons gagné une possibilité pour te jouer une ouverture score là. Mais Jean-Claude Dabdil, tantôt. À chaque occasion, c'est goal pour lui. Parce qu'on signale que l'équipe cubaine, qui c'est un adversaire nous, Cuba, dans le match par là, c'est 11 goals à 0 qu'il bat. Donc après victoire, équipe cubaine, donc lui déjà mieux classé parce que nous obligés pour nous faire plus de goals et puis remporter la victoire. Pas seulement gagner, mais faire un pile goal tout, puisque c'est premier dans chaque groupe qui a même passé pour aller. Kondazi et agrandi 6 équipes qui déjà qualifiées pour World Cup 2019 là. 6 équipes ça aujourd'hui on a rappelé, c'est États-Unis, Mexique, Panama, Costa Rica, non, pas Canada. Et nous manquons bon là. Heureusement pour l'équipe dommage pour nous. Ballon partenaire quand c'est tapé autogol, nous t'a dit États-Unis, Canada, Costa Rica, Panama, Trinidad et puis Honduras, 6 équipes ça a été joué dernière phase éliminatoire Coupe du Monde ici 2018 là, donc qualifié d'office pour la Gold Cup de 2019. Voilà, et Haïti manqué bon là, et je ne connais là. Attention, ballon dévié, point de pied, Chaléol Junior. Will Metelli, danger. Ballon dégagé. Attention, le contrôle de la poitrine, bien joué. D'accord, net. Il remet en retrait. Très bonne passe de James Jeffra. Ballon Chaléol Junior, il balance lui. Oui, nous bon, goal, peut-être. C'est une deuxième occasion claire et net que voilà. Arrivé converti. Bien Miguel Pierre Gilles, 0-0 pour
bon début de match de l'équipe haïtienne. Donc sans doute, et Nazon te gagne balle pour que l'ité l'ouvre ce score pour permettre Haïti prendre le dessus dans le match là. Donc dans le tableau d'affichage là, malheureusement, il n'est pas fait. Donc il faut saluer également centre que Charles Junior fait là. Oui. Donc si on centre, si on cache, disons, son chèque, on va en aller passer on dans le là. Attention! Frenzy Pierrot qui marque le premier goal là pour l'équipe nationale là. J'aime ta parler déjà Jérôme. Frenzy. Frenzy Pierrot. Voilà, 1-0, Frenzy Pierrot. Ouvrir maintenant pour l'équipe haïtienne et ça c'est replay là, on copie, bon bagaille, bon qui peut l'arrêter fiché sur l'île de Bully. Donc c'est pral vraiment une belle réalisation de Frenzy Pierrot. Un pour Haïti, zéro pour Saint-Martin. Pierre-Miguel Pierre-Gilles. Effectivement, Jérôme Pierre, Haïti mène au score 1-0. Le ballon est contrôlé au niveau de la défense de l'équipe nationale. Et pas rapidement, Karl-Heinz Arcus qui repasse le ballon en direction de Ricardo Adé. La passe latérale. L'équipe haïtienne, mesdames, messieurs, eux contrôlent la balle. Il est capable de jouer sous Charles Roll Junior. Non, il préfère aller en direction de Ricardo Adé. La passe latérale en direction de Wildonald Guerrier. Mais non! Mauvais contrôle de Will Donald Guerrier. Réception 1, li pas bonne du tout. Yo ballon qui sortit en 5 mètres 50 au profit de l'équipe de Saint-Martin qui est mené au score 0-1. C'est pas un forcément réception. Non, monsieur le fait un plat du pied gauche instantané et malheureusement il rate. C'est comme si là, nous avons gagné deux leaders dans la tête. Soit que le centre ou bien tout fait frappe instantané, malheureusement, il va réussir une là-dedans. Voilà, c'est Remsley qui dégage tout la balle pour l'équipe visiteuse, à savoir la formation de Saint-Martin qui est mené au score. La balle est contrôlée au niveau de la défense par Ricardo Adé. La passe en retrait. Haïti joué pour le ballon avec Meshack Jérôme. La passe à gauche vers Will Donald Guerrier. Du questionnel le ballon. Libre de réservation, Donald Guerrier, la passe à retrait. Donc pour l'instant, c'est l'équipe haïtienne avec Frenzy. Oui, yo joué dans l'axe derrière. Entre temps, bien Karlens qui a mandé ballon. La passe de Karlens. On attend le centre de Karlens. Attention, mais non! Le centre de Karlens contré. Le ballon est allé en corner. Corner pour l'équipe haïtienne. Corner exécuté à la Remoise. En direction de Karlens pour Charlie Roll. Charlie Roll qui peut centrer. Le centre de Charlie Roll. Attention, mais la reprise de tête du joueur haïtien est passée, mesdames, messieurs. C'était Wild Donald Guerrier. Le ballon est allé en 5 mètres 50. Remise en jeu pour l'équipe visiteuse. L'équipe de Saint-Martin. Et soit à peine rejoignez-nous. Nous dans le stade Silvio 14. Dans l'occasion de Ligue des Nations de la CONCACAF. Haïti a recevoir l'équipe Saint-Martin dans un moment. C'est Haïti qui a mené 1-0. Grâce à un goal réalisé par Frenzy Pierrot. Donc il y a une mauvaise passe. Le ballon sorti en touche. Karl-Heinz Arcus, en direction de Ricardo Adé. Ricardo en direction de Meshack Jérôme. Meshack Jérôme balle au pied. Meshack Jérôme, que va-t-il faire? La passe de Meshack en direction de Sonny Moustiva. L'équipe haïtienne contrôle la balle. Déviation de Wildo, disons de Nazon. Nazon et pour qui c'était? Mesdames, messieurs, Brian Aceus. Entre temps, l'équipe haïtienne avec Dugan et disons et Nazon. La passe de Nazon vers Charlie Roll. Charlie Roll, que va-t-il faire? La passe de Charlie Roll qui voulait alerter, mesdames, messieurs. Et donc Wildo Donald Guerrier, mais ballon contré. Haïti qui contrôle le ballon en défense avec Meshack Jérôme. Meshack Jérôme, la passe latérale en direction de Will Donald. Attention, Will Donald, attention, qui essaie de dribbler. La fait ballon en boîte là. Là, les zones à côté de Juin. Et Nazon, mais non! Tac, à ras de terre pour mettre le ballon en touche. Yon tacle, Jérôme Pierre, très intelligent. Sinon, ça fait capable de créer panique au niveau de la défense de Saint-Martin. Nazon pour la seconde balle, le centre de la boîte, mais dégagement au niveau de la défense. La deuxième balle, héritée toujours par l'équipe en blanc avec Lycébien, Edmar Lacousse, mais ballon perdu, récupération par. Et donc, mesdames, messieurs, le dossier 5 en Karlens Arcus pour l'équipe haïtienne. Oui, la deuxième balle, contrôlée par Moustiva, qui repasse le ballon en direction de, mesdames, messieurs, Meshack Jérôme, la passe latérale, l'équipe haïtienne contrôle la balle, par Brian Aceus, la passe axiale de Nazon, en direction de Charles Roy.
Charles Roll qui oriente la balle sur le plan droit en direction de Ebra et donc Carlins Arcus. Oui, ça se joue entre Carlins et Charles Roll. C'est très bien joué, mais bon placement et ballon contrôlé vite par l'équipe de Saint-Martin avec qui essaie bien et Stanley Ferdinand. Stanley Ferdinand qui ouvre la balle dans l'axe du terrain. Ouverture rapidement sur Stanley, oui, attaque pour l'équipe de Saint-Martin. Stanley qui a laissé faire et donc un deuxième dribble et dommage qui échoué entre temps. C'est Edmond Laclous. C'est l'équipe haïtienne avec qui Ricardo Adé et qui ouvre la balle en direction de Nason du 15. Oui, de Nason, danger pour Saint-Martin, danger pour Saint-Martin. Ça va pas bon, mais il y a un ballon qui est contre Jérôme. Et c'est un ballon qui a le contrôlé par la défense de l'équipe nationale qui mène au score 1-0 suite à un but réalisé, mesdames, messieurs. Et donc par Franzi Pierrot, le 220. Voilà 1-0 et son ballon qui se tient en touche. Un match que l'équipe haïtienne a dominé et tant sur le plan et alors en termes de possession de balle, mais également au score et Steven Dieudonné. Oui, et il y a une équipe Saint-Martin qui a tenté lui-même sortir de tête. Même si c'est difficile et compliqué avec pressing équipe haïtienne à faire. Mais formation Saint-Martin, vous sentez tout à l'heure. Je t'ai essayé de faire deux trois passes côté que tu as pas arrivé dans l'équipe haïtienne. Heureusement, nous t'es sorti bien avec un retour d'Acus Carlens qui lui-même t'a récupéré le ballon. Donc nous espérons, depuis Jean Abdel, dans le début de match là, que l'équipe haïtienne va le marquer plus. Puisque là, nous n'avons pas besoin de Saint-Martin à jouer. Si les vraies formations, Saint-Martin va ça lui-même. Et li, c'est plus petit dans quatre adversaires que Haïti gagne. Mais tant que nous avons joué qui petit, c'est plus bon pour nous. Tant que nous avons joué nous qui battre plus, c'est plus bon puisque l'important pour nous, c'est qualifier d'abord pour la Gold Cup et puis avancer pour monter dans l'IKA pour pouvoir parler à qualifier pour la Coupe du Monde de 2022. C'est ça. Et Steven Dieudonné a rappelé que gagné cette Lucie qui bat Antigua 3-0. Au courant de ce qu'on a. Et nous le prochain match c'est contre cette Lucie en octobre. C'est vraie information, c'est plus là, c'est pas l'instant là encore que la venue, puisque avec difficulté que vous gagnez pour recevoir un match, nous avons avantage d'abord c'est pas 3, 4 matchs, c'est seulement à Cuba que la venue. Justement, en tout cas, c'est un centre raté par Acus Callens et c'est une remise en jeu pour l'équipe de Saint-Martin. Vous êtes sur la radio et la télévision nationale d'Haïti à l'heure de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Vous êtes en direct sur la chaîne 8 au stade Silvio 14. Attention, la relance de Remsley Berlin. Ballon joué de la tête. Le contrôle du numéro 6, Raymond Wolf. Raymond Wolf fait du lit. Sonny Mustiva. Passe là pas bon. Intervention du numéro 3, Giovanni Anthony. Et ballon sorti en touche. Sonny Mustiva. L'Ifel en tête terrain. Côté les joignes. Brian Alceus. Ballon Chaléwal Junior Kounia. Les joignes Axelin. Et Duken Slazon. L'Ifel en pour deux. L'Ifel en deux. La déviation. Pas de hors-jeu. Donald Guerrier. Oui, frappe pied droit. 2-0. J'apprécie énormément le geste. Oui, c'est Franzi, c'est Duken Slazon qui a marqué. C'est Duken Slazon qui a marqué. 2-0. C'est bien pour Paysonnant. Pourquoi on ne t'a pas dit ça, Steven? Pourquoi on ne t'a pas dit ça? C'est bien pour qui ça? Pourquoi on t'a fini ça? Parce qu'on va dire que Dieu. Pourquoi on t'a fini? Oui. Non, nous ne pouvons pas signaler ça. Et reprise goal là pour les spectateurs. Oui. Duken Slazon qui suivent à. Et après le geste de Donald Guerrier. Oui. Donc, une belle ambiance au niveau de Gradin Stadland avec Docteur. Attention! Bon, c'est dommage pour nous. 2-0. Premier goal là, il est inscrit à la 11e minute de jeu par Franzi Piro. Et deuxième goal là, c'est Duken Slazon inscrit à la 18e minute de jeu. 2-0 pour Haïti. C'est ça, on joue la 19e minute de jeu. Non, la passe est trop profonde. Ce sera une remise en jeu pour l'équipe de Saint-Martin. Finalement, monsieur, quoi qu'il a un problème à relance. Souvent, il quitte relance pour Remsley Bellin, le numéro 11 de Saint-Martin, qui
qui va dégager son camp. Il prend son élan. Attention, Remsley et Vélin. Ballon à peine traversé l'immédiatement. Ballon contrôlé par le numéro 6. Et Raymond Wolf. Ballon perdu. Sonny Mustiva. Sonny Mustiva. L'église le pour Frenzy Pierrot. Frenzy Pierrot. Frenzy Pierrot. Frenzy Pierrot. L'Aptanon Mounrivé. Bien joué. Oui. Attention. Du Castazon. Il n'est pas couvert de pied, et Steven Dieudonné. Parce que, femme pas où, son poitrine nous aller vers ballon. Oui, au bon gens, oui. Au gens, pour que jouer à lui-même, les coubeli, pour qu'il fasse couple après demi-siècle, avec Wally, pour qu'il soit capable de faire le ballon dans ce genre de situation. Alors, j'en ai pas là, Steven. Lundi poitrine, nous avons fait un action. Voilà, ralenti action tout à l'heure. Là. Faut comme si Mdadou ou Koubito. Hein. Mais Pika poitrine n'a pas rien là comme Mdadou. Comme si vous devez baisser. Justement, Pika poitrine a gardé vers le ciel. Depuis la regardé vers le ciel, non. Eh bien, il n'y a pas pris forme fort, forme sans ballon. Hein. Eh bien, il est fort probable pour attirer. Il y a une parfaite combinaison. Il y a une entente entre. Oui. Deux attaquants. On peut faire harmonie. Harmonie en attention. Petit bien du 15 nazon. Jusqu'à présent, monsieur a entendu très bien. Oui, vous sentez que grand jeu d'ensemble. Grand jeu d'ensemble. Au contraire, c'est une table. C'est pilote. Tout le monde prend le côté abjeune au monde. Et c'est ça, c'est bien. Bonne note. Justement, entre temps, mais écoutez, c'est Saint-Martin, il faut nous signaler ça. C'est une équipe faible dans la zone. Attention, Arcus Collins. Arcus Collins. Ballon Arcus Collins. Qui se bat vers le centre. Il joue sur Dukens Nazon. Une deux pas mordé. Ballon dégagé. Attention, Sonny Mustiva. Chaleur Junior privé. Ce ballon contrôlé par Rick Depounde. Rick Depounde. Ballon James. Ballon contrôlé par James Geffra. La passe. Ballon pour le numéro 21. Brian Alceus. Brian Alceus. Sonny Mustiva. Sonny Mustiva. La passe dans l'axe. Dukens Nazon privé contrôlé. Ballon pour l'équipe de Saint-Martin. Il manque perdu. Heureusement pour yo, ballon contrôlé par Edmond Laclousse. Edmond Laclousse, il perd le ballon. Bon retour de Meshak Jérôme, Cap Jeunin et Jacksonville Armada aux États-Unis. L'aller à gauche pour James Geffra. James Geffra qui te lit en deux terrains. Bien joué. La passe de Brian Alceus, Sonny Mustiver, Arcus Collins. Arcus Collins, Charles Junior, Arcus Collins, Ricardo Adé, l'aller à gauche, et sous James Geffra, sous jeune Donald Guerrier, Wilde Donald Guerrier, en retrait pour James Geffra, ballon Meshak Jérôme, Timoun Liancourt, et c'est dans Liancourt sorti, ballon canon réception de Dukens Nazon. Oh là là, c'est bon qu'on finit. C'est une sortie de but, non, ça te connaît. L'arbitre central a décidé autrement. Il a octroyé un corner au profit de l'équipe haïtienne. Les Grenadiers mènent par 2-0. Grâce à des buts qui partent. Franzi Pierrot. Corner qui et sera. Dukens Nazon. Oui, Jérôme-Pierre, corner qui sera exécuté par Sonny Mustiva. Mustiva, Sonny, c'est lui-même qui, après le ballon, ses ballons. Et possibilité de troisième goal. Mais la sortie en deux temps, le portier capte le ballon. C'est ça, ballon capté par Jean-Philippe Sylvestre, le portier de l'équipe de Saint-Martin. La relance, goalkeeper n'a pas une bonne relance. C'est toujours un point faible lorsque un goalkeeper n'est pas capable de dégager loin. Nous, un goalkeeper, ça, relance n'est pas bon. Sinon, que, littéralement vrai, ça m'a dit, hein, très souvent, l'équipe de dégagement pour numéro 11, li, et qui c'est Remsley Pellin. Entre temps, Jérôme, en parlant de points négatifs qui gagne dans l'équipe ça, n'a précisé clairement que formation ce matin gagne du mal pour l'attaquer nous et il y a beaucoup de gens présents dans la surface de vérité, surface de préparation sélection nationale la voix pour que tu as fonti cadré. C'est ça, après 20 minutes, Dukens Nazon. Troisième goal peut-être. Oh là là. Oui. Alors frappé dans le poteau droit. Li pas rentré dans le filet, madame, messieurs, voilà. Mais quel passe millimétré
et donc et puis Duken Sazo avancé, les classé, mais Poto a dit que ce matin pourquoi prendre troisième goal. Attention, c'est ça, la reprise de l'action, madame, monsieur, pour votre délectation. Et là nous est classement Duken Sazo qui allait dans la base pour Tocan. Entre temps, nous suivons une attaque de l'équipe haïtienne. Duken Sazo déjà buteur, la passe pour Sonny Mustivar. Il laisse le ballon et pour Ricardo Adé, calé sous James Geoffrey, Donald Guerrier de ballon, la tête est anti-pichenette, mais le ballon contré, touche pour les Grenadiers. Donald Guerrier, joueur de l'équipe FK Karabag, yo club azerbaïdjanais, ballon pour James Geoffrey, l'équité l'intérêt pour Meshak Jérôme. Je vous le disais tantôt, il en est à Liancourt. Oui, 3-0 papa, 3-0 autogol. Goal! 3-0 à la 26e minute de jeu. Oui, autogol. Ouais. Quelle ambiance! Voilà la reprise de l'action, la réception de la poitrine orientée, et puis voilà. Autogol, me semble-t-il, c'est le numéro 4. C'est le numéro 4 qui a marqué contre son camp. Oui, c'est lui. C'est lui. Oui, le numéro 4. Il répond au nom de Diaro Forsyth. Diaro Forsyth qui a marqué contre son camp. 3-0, n'est-ce pas, Steven Dieudonné, pour l'équipe haïtienne. Oui, mais Grenadier, entendez-nous. Et yo souke koyo. Et 3-0 après 26 minutes. Et c'est déjà beaucoup, même si nous devons faire plus après 3-0 et m'a continué à exiger. M'a continué à dire que Grenadier est capable de faire plus là. Face à Saint-Martin, pas oublier, n'a pas dit ça encore. Dans le cadre adversaire de Haïti gagné pour que l'y rencontre dans la phase qualificative Ligue des Nations contre Gakafla, eh bien Saint-Martin c'est plus faible là. Et bien, étant donné que c'est plus faible là, faut que nous profiter de l'igole pour ne pas capoter. Il va jouer un goal pour il va capoter. Donc ça veut dire. Une balle goal jusqu'à ce que Maître Livin prenne devant nous. Ça veut dire donc nous deux, au moins, faut que nous dépasser l'équipe cubaine. Oui. On rappelle quelques moments forts dans le match là. 11e minute, goal. Franti Péro, 11e minute pour Haïti, c'était ouvert ce score-là. 18e minute, deuxième goal là, c'est fini avec Duken Sazon. 24e minute, Duken Sazon joue une base pour toi. Chute avec passe qui fait dans deux défenses là. Il fait un tir croisé pendant qu'il a essayé d'éviter sortir gardien, équipe adverse dans le ballon, aller sous poteau. Et puis 26e minute, troisième goal là. Et jusqu'à présent, il était en discussion pour qu'on soit capable d'identifier vrai buteur là. Mais sous angle que nous dégagnons, c'est arrière central là. Voilà, ah, bien, ok. C'est Diaro Forsyth, 204 là, qui marque contre Kali. Donc Haïti a mené 3-0. Nous battons nous avec plus toujours de sélection nationale. C'est ça. Et Pierre-Miguel, Pierre-Gilles, Jean-Pierre. 3-0 pour l'équipe haïtienne. Voilà, 3-0, c'était un score attendu. Et puisque c'est le maillon faible de groupe Panouan, il y a une équipe qui a du mal pour l'attaquer, il y a une équipe qui a du mal pour le même arriver donc dans la surface de réparation noir. Donc ça traduit l'image. Voilà. Voilà. Voir pour le temps dans la séparation. Voilà, ça veut dire nous nettement supérieurs. Mesdames, messieurs, nous avons mené 3-0. Ballon contre les passes James Geoffrey, Cali en défense, en direction de Meshak Jérôme. La frappe lointaine du joueur Lien Coutois. Mais le ballon est passé, mesdames, messieurs, à côté des buts de garde départ. Le portier de l'équipe de ce matin, Jean-Philippe Sylvestre, le de Sarlin. Alors, l'on dit Lien Coutois, l'enfant dit Mounio tout. Ils sont Lien Coutois dans la Tyrolite. Effectivement, je vois bien. Voilà. Mesdames, messieurs, 3-0, nous avons une ambiance électrique ici au stade Sylvio Caton où l'équipe nationale mène 3-0. Donc il y a un club ça là dans qui est athlète Liancou athlétique, c'est là dans même que Meshak Jérôme lui-même lui formé et Meshak Jérôme qui fait première samedi 2007-2008-2009 lui rejoint Baltimore avec équipe Baltimore là bon pas même besoin. Quantité merveille que je ça fait. Après ça, il passé en pléiade de club. Il était même passé au Portugal, dans la 4e division portugaise. Et puis, 4e division portugaise. Et puis, il retournait dans Jacksonville Armada, qui a évolué dans ANASL, là, qui est la 2e voilà. Division nord-américaine. Voilà, coup franc pour l'équipe de Saint-Martin, mais mal exécuté.
Oui, et forme tout que si c'est notre mm-hmm. qui bat bon cimetière là, et un de cimetière qui va chercher ballon ça. Voilà, yon ballon, mesdames, messieurs. Et qui est-ce que ça, il bat sur oui, mon cher Guillaume. Est-ce que c'est pas le premier shoot que fait? C'est le premier shoot que fait. Premier shoot là. Oui. Ou est-ce qu'il t'a réglé sa shoot? Non. Voilà, l'équipe haïtienne, mesdames, messieurs, contrôle la balle dans sa propre moitié de terrain. Ouverture à droite en direction de Ricardo Adé. Ricardo bat le pied. Ricardo très calme. Il traverse la ligne médiane. Que va-t-il faire? Il donne le ballon dans l'axe en direction de Pierrot qui ouvert. Et le 205 est Carlins. Carlins en direction de Charleroi. Charleroi Carlins. Carlins contré de jouer en avant. Il retourne en direction de Adé. Adé pour Will Donald. La déviation de la tête de Donald. Ça ne donne rien. Le ballon, mesdames, messieurs, est pas passé à côté, remise en jeu pour l'équipe visiteuse. Donc qui se route pour qu'on ait un moment difficile. C'est pour Jérôme sans doute une soirée cauchemardesque pour l'équipe de Saint-Martin. Oui, c'est ça, parce que score seulement à la mi-temps, c'est 3-0. Et il y a pile minute toujours. Seulement pour à la 31e minute de jeu. Justement, c'est-à-dire, il y a environ 14 minutes pour première mi-temps prendre fin. Et ou, par contre, ça a passé encore 14 minutes, voire en deuxième mi-temps, capitaine de l'équipe Saint-Martin. Voilà, l'arbitre central, mesdames, messieurs, de cette rencontre, octroie un coup franc pour l'équipe de Saint-Martin et qui a subi et donc la loi, l'équipe haïtienne, 0-3. Entre-temps, il n'y a pas laissé jouer dans la zone ça avec Rick Ponder. Mais ballon qui est sorti, Adil pas sorti. C'est Pierrot qui prend. Pierrot bat le pied. Pierrot toujours, mais non Pierrot. Donc Pierrot c'est pas bon. Et Pierrot qui a laissé jouer. Voilà, il t'a laissé jouer. Nazon. Nazon te fait appel là, mais Nazon pas allé. Parce que le joueur là, porteur de balle, gagne ballon. Hein. Joueur qui fait appel là, faut aller. Sous pas aller, lui-même, lui levé tête, lui fait appel à l'Alba Passé. Sonny Moustiba, Jérôme, regarde bas. Carlins, attention. 4e vol peut-être. Nous disons peut-être 4e vol maintenant. Oh là là, quelques secondes de retard de Dukins Nazon. Sinon, on se colle 4-0. Oui, oui. Une équipe haïtienne. Donc, qui sont pour déstabiliser formation Saint-Martin, qui c'est maillon faible groupe là. C'est la Ligue des Nations de la CONCACAF qui ont nouvelle compétition, Jérôme, oui, non seulement. Oui. C'est même bien en Europe. Oui, c'est deux côtés au Ferli, c'est dans le CONCACAF là avec l'Europe. Et zone asiatique là pour qu'on fait lui. Et zone continent africain pour qu'on fait tout. Et en Amérique du Sud, il y a pour qu'on fait tout. C'est seulement en Europe avec la zone CONCACAF là que vous faites. Dans le moment que nous avons joué là, zone Amérique du Sud là, il y a joué match amical. Oui. Donc nous capables de comprendre. Ricardo, non, c'est Mustiva. Mustiva qui joue en direction de Méchac. Méchac qui perd le ballon. Mais James revient à la charge pour l'équipe haïtienne. La passe en direction de Grenadier. C'est donc Nazon. La passe en profondeur vers Pierrot. Pierrot très athlétique. Pierrot qui perd le contrôle de la balle. Et il a commis la faute selon la décision de l'arbitre central. Mais c'était une décision qui fait fanatique mécontent. Puisque il est après l'arbitre là. Prend décision si là. Il y a un ballon contrôlé en retrait. Et par mesdames, messieurs, Carlins Arcus. Carlins en direction de Ricardo. Ricardo qui laisse le ballon pour Placide Johnny. Alors, faut nous dire dans le temps, Steven Miguel. Mm-hmm. Et c'était Dukens Nazon qui était conduit avec numéro 20. Maintenant, Dukens Nazon porte numéro 9 là. Et Yobay, Fonzi Pierrot, numéro 20. Effectivement, Jérôme Pierre, l'équipe de Saint-Martin qui a du mal pour développer vrai jouet. La passe Mustiva prend ballon. Mustiva, que va-t-il faire? La passe vers Nazon. Oui, oui, Dukens Nazon qui contrôle la balle. Il évite le ballon franchi. La lancée de Will Donald, le joueur de. Le joueur, disons, qui a évolué dans le championnat, Azerbaïdjan, Karabakh. FK Karabakh. FK Karabakh, l'année dernière, qui était joué Champions League. Anessa, dommage qu'il n'est en Europa League, ouais. Même sur compétition européenne. Ouais. Attention, ballon balancé. Oui, l'équipe haïtienne avec Carlins. Carlins balle au pied. Ça montre Carlins que le club Donald Guerrier, c'est un club très compétitif. Si vous êtes capable l'année dernière, vous êtes dans la Ligue des Champions, certes. Ou quitter Ligue des Champions, hein, mais quand même, ou a joué en Coupe européenne, c'est-à-dire ou en Europa League. Voilà, la passe vers Pierrot. Pierrot, mesdames, messieurs, le sujet du jour, l'équipe. Attention! Oh là là! On donne en haut le pied gauche. Et Arcus Carlins. Carlins Arcus qui a tiré. Dommage, le ballon est passé à côté. Il y a un portier, Noël, qui commence à désespérer. On a à l'écran Makola. Makola qui a contrôlé le Jérôme, regardez. Mes frappes là. On mes frappe en haut du pied gauche. Il pas passé qui a failli faire mouche. Mais dommage. Elle a passé à côté. Quelle relance réalisée, mesdames, messieurs.
parle de ça. On s'était Remsley, ballon perdu, attaque pour l'équipe nationale. Dukens Nazon en face de lui, il y a qui? Il y a mesdames, messieurs Diaro. Mais finalement, est-ce que c'est goal? Est-ce que c'est goal? Le goal! Goal, 35e minute de jeu, 4-0 pour l'équipe haïtienne. Et Stephen Baptiste, parce que Dukens Nazon, bon goal, ça a déjà, papa. Double de Dukens Nazon. Monsieur vraiment mystifié Ariel. Hein? Monsieur malmené Ariel, on va le voir ça. Voilà, le crochet. Et puis la frappe du gauche déviée au passage. Et tu as gagné Francis Pierrot qui était dans le bouche quand lui quittait le ballon, rentré dans le filet. Voilà. Voilà. C'est pas complice là, Jérôme. Et bon, tout le monde complice. Ariel complice, goalkeeper complice. Alors, ballon lui subit en déviation. Oui. Défenseur, la dernière défenseur qui t'a essayé de paraître ou bien croiser. Ça lui-même tout. Déviation, ça fait que le ballon a changé de trajectoire. Justement. Donc c'est ça qui est dérangé. Et goalkeeper, nous fait parler. Et donc défenseur qui lui-même a gardé cage, formation ça. Jean-Philippe Sylvestre, merci. Et équipe haïtienne a inscrit un 4e goal. Ils ont doublé pour Dukens Nazon. Minute, c'est. Alors, Golio, c'est 11e minute, Franzi Pierrot. 18e minute, Dukens Nazon. 24e, alors 26e minute, ils ont contre son camp de Diao Forsyth. Et puis, 35e minute, goal Dukens Nazon. Moi, après ces gestes, Franzi Pierrot qui quitte le ballon entré. De façon, pour bailler plus de valeur avec le travail que Dukens Nazon t'a fait. Il rappelle nous, goal que tu as marqué contre Panama dans le Gold Cup 2013. Là. Alors, je m'a pas ajouté un petit bail dans ce et pour si tu as gagné hors jeu tout. Si tu as gagné hors jeu, le ça n'a pas fini d'influencer le jouet. Non. Donc, il quitte le ballon, rentre dans le camp. Tout pas. Seulement, il assure que c'est dans le camp ballon à partir. Oui. Bon, mais si le ballon est d'accord, même si tu dis, ok, tout le monde peut siffler, lui-même, c'est ballon. Oui, d'accord. Alors, 4-0 pour l'équipe haïtienne, n'est-ce pas, Pierre-Miguel Pierre-Gilles. Voilà, festival offensif pour l'équipe haïtienne. 4-0, déjà, la 37e minute de jeu. Ça veut dire beaucoup, Jérôme Pierre. Oui, nous sommes seulement à 7 minutes. Et parce que lors du 37e minute de jeu, il y a un second temps marché. Donc, c'est-à-dire, nous à 7 minutes. La frappe de Pierrot, elle est allée, mesdames, messieurs, écrasée. C'est Charles Junior. Oui, Charles Roll. Le ballon Junior qui a frappé. Est allé. Écrasé sur la barre transversale. De peu, ça aurait été le 5e but. Oui, voilà la frappe de Charles Roll Junior. Le portier, c'est joueur c'est du FC Sibaro. Le portier est allé du bon côté. Dominicaine. Mais dommage, madame, cage le ballon. Oui. Oui. Heureusement pour Jean-Philippe Sylvestre. Il a fait l'effort. Oui, attention, Akins Kalens. Fait la retrait pour Ricardo Adé. Ricardo Adé qui joue en direction de Charles Roll Junior, c'est Timoun Marché de Saline. Mais Gampé nous qui dit c'est Moun Gonaïve. Charles Roll Junior qui était qu'on a joué dans Napoli là, Bola Kaimoué. Oui, dans Napoli, dans la vacances, Marché de Saline. Moi-même, franchement, et. Qui c'est Timoun Villa? Charles Roll Junior était gâté dans la Coupe du Monde, moins de 17 ans. Oui. En Corée, en 2007. Oui. Et chaque fois que je parle de Coupe du Monde, moins de 17 ans, que tu as participé en 2007, eh bien, rapidement. De regretter mémoire, Jean-Yves Philogène Labasse, qui non seulement te prend initiative ça, mais te catégorie ça sous pied. Avant de tenir un grand changement qui opéré. Oui, et c'est Dossa 5 là et qui sorti. Et puis monsieur Pralmené et qui plane en Coupe du Monde. Voilà, Dossa 5 là, c'est Ryan Ok Achin qui sorti. Ryan. Passé par le Dossa 15 au sein de l'équipe de Saint-Martin. C'est ça, 209 pour l'équipe de Saint-Martin. Oui. Et numéro 5 là qui sorti. Ryan Hawk in et il est remplacé par le numéro 15 qu'on va pouvoir identifier pour vous. Rapidement, madame, monsieur, attention, contre-attaque, Franzi. Non, c'est mérité carton. Il faut qu'il y ait un carton. Oui. C'est ça, carton jaune pour Rick de Bounder. Rick de Bounder. Daniel Lange. Oui. Daniel Lange de 215. Entrez, mesdames, messieurs, à la place du 205. De l'équipe de Saint-Martin. Alors le numéro 5, il répond de Ryan Rock In qui a cédé sa place au profit du numéro 15. Changement du côté de Saint-Martin. Alors que c'est Daniel Hunch qui a remplacé le 205. Oui, Daniel Hunch avec le numéro 215. Voilà, coup franc, mesdames et messieurs. Coup franc pour l'équipe nationale qui mène 4-0 aux dépens de l'équipe de Saint-Martin.
vous êtes en direct sur la radio-télévision nationale d'Haïti à l'occasion de la Ligue des Nations, de la CONCACAF. Il y a une nouvelle compétition pour nous dans l'idée pour mettre l'équipe. C'est la première journée. Première journée, voilà. C'est le premier match Haïti contre la compétition. Il y a deux monde qui sont ballon. Mais chaque là. Formule voilà, de compétition. Et également Charles Roll Junior présent. La question que se pose Charles Roll Junior, il quitte le ballon pour Méchac. Méchac qui gonfle frappe très lourd. Il y a une suite fait, nous rappeler. Oui. Face grenade, il défait. Attention, Méchac prend Elan. Danger pour ce matin, il fait la rade de terre. Mais le portier, sans trop de difficulté, capte le ballon. Il va relancer rapidement. Il fait écouler quelques secondes. Méchac Jérôme a inscrit 700e goal à Haïti dans toute l'histoire. Sous coup franc. Sous coup franc, goal ça, il était fait là, dans le stade. Et, pardon, il était fait à Grenade même. C'était à Grenade qui m'a fait. C'était un gros soleil chaud. Il était fait à nous et puis. Voilà, goalkeeper qui relancé, ballon contrôlé pour l'équipe haïtienne par James Geffra. Non, il a passé en direction de Ricardo, en direction de la défense centrale. Ricardo Adé qui traverse la ligne médiane. Ricardo Adé dans le camp de Saint-Martin, il retourne sur lui-même en jouant sur Sony Mustiva. La passe à gauche pour l'équipe haïtienne de football avec Ibrahim Brian Alceus qui repasse le ballon vers Méchac. Méchac très calme. Méchac, c'est Charles Roll lui demande le ballon. Il joue en direction de Charles Roll. Charles Roll sous Carlins. Carlins en direction de Pierrot. En direction de Mustiva, ouverture vers Donald sur le flanc gauche. Donald qui a laissé pêche à poids, mais malheureusement, le défenseur a dévié le ballon en touche. N'a pas allé directement. Disons, c'est Daniel Lange qui, à peine entré, la passe latérale, disons axiale, en direction de Méchac. La passe en profondeur, la frappe finale. Le ballon passé à côté. Totalement dévissé. Le ballon qui sortit en 6 m50. Oui, ce sera une remise en jeu pour l'équipe de Saint-Martin. Qui a mené 4 goals à 0. Oui. 0-4. 0-4. Alors, puisque c'est l'équipe haïtienne qui reçoit, on peut dire 4-0. Et voilà. Mais peut-être on parle de défaite. Dit, la défaite, par exemple. Oui, oui. Oui. Quelle relance. Donc, Jean Tabdilan. Et l'équipe de Saint-Martin est menée. Oui, on dit 0-4. Oui. Attention, ballon Charles pour Charles Erol Junior. Attention, Franzi Pierrot, pas de solution. Il conserve le ballon. Le sort. C'est un goal. Triple 2. Dukens Nazon. 42e minute de jeu. Le hat-trick. Oui, Dukens Nazon qui a marqué le 5e but de l'équipe nationale. 5-0. Et ce en première période. Oui, oui. Voilà la reprise de l'action. Oui. 42e minute de jeu. Franzi Pierrot. Et un bon attaquant, un bon buteur, un bon chasseur de but. Voilà, Dukens Nazon anticipé. Et marqué en triplé, ça permet à l'équipe haïtienne d'amener 5-0. Ballon donc, la passe dans l'axe, le contrôle, passe en retrait. Ballon contrôlé par Remsley Pelline, la passe dans l'axe, la déviation. Ballon dans l'axe défense là, Sonny Mustivar, Lijouen, Franzi Pierrot, balle contrée, son ballon qui sortit en touche pour les Grenadiers, Sonny Mustivar, Ricardo Adé, les joueurs bossent Méchac traversé dans la zone Donald Guerrier, il joue en profondeur, mais ballon à joindre Jean-Philippe Sylvestre, le portier de l'équipe de Saint-Martin, qui va pouvoir relancer son camp. Attention, il prend son élan, il part une bonne relance, ballon tombé en tête terrain, ballon Méchac Jérôme, Ricardo Adé, qui ballon, appel de balle de Arcus Collins, les jeunes Franzi Pierrot, buteur et passeur. Franzi Pierrot, oui. On n'a pas de Franzi Pierrot, il n'est pas arrêté devant seulement, il participe dans l'élaboration de jeu là. Ouais.
On très bon remarque. Oui. Bien joué Pierre-Miguel Piagil. Attention. En deux temps. Et son frappe qui raté à la vérité. Oui. À demi. Oui. Et il n'est pas arrivé à prendre ballon. Jacques Le Tévléa. Ballon pour le numéro 7. Eric Depoundé. La relance de Rems Belin. Passe instantanée de James Geoffrey pour l'équipe haïtienne. Mais Jacques Jérôme, pas de hors-jeu. Dommage, Will Donald Guerrier ne parvient pas à redresser la trajectoire du ballon et c'est une touche pour l'équipe de Saint-Martin. 5 buts à 0 pour les Grenadiers. 45 minutes écoulées, Miguel. Oui, Jérôme et Steven, on va équipe d'abord à 5-0. Obinoué, son match qui paraît ici par Pierre. Oui, mesdames, messieurs, c'est toujours 6-0 pour l'équipe haïtienne. Jérôme, on y va. Voilà la voix pour là. Le portier de Saint-Martin qui dévie le ballon en corner de gauche vers la droite. C'est bien celui qui a failli surprendre le portier de Saint-Martin. Oui, c'est pas le corner qui va le faire. Attention, il appelle directement, ballon balancé, dégâts de la tête. La deuxième balle favorable pour nous, pas James Jeffard. Voilà, nous avons ralenti action. Oui. Et... Le ballon, Jérôme, qui passe à côté. C'est pas Lyon, remise par 6 mètres 50 ou encore 6 mètres. Si vous nous rejoignez avec les téléspectateurs, vous suivez en ce moment la radio-télévision nationale d'Haïti à l'occasion de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Au micro, nous sommes là pour vous servir. La réalisation de la tête. Ça, c'est représentant tout à l'heure, là. Oui. C'est pas Lyon, remise en jeu. Doit-il à et ballon 1. Défenseur A. Il joue en profondeur. Quelle déversion du de Star 6. Monsieur Raymond Wolf. Ballon perdu. Will Donald de centré. Donald toujours. Donald qui essaie de prendre du temps, mais malheureusement, attaque de Donald avancé. Donald qui effectue sans perdre de temps. L'arme de touche. La passe en direction de Brian Hastings. Brian, quelle déversion de Brian Hastings de Pierrot. Même bon retour de la défense. L'équipe de ce matin. Il fait mal à l'équipe techniquement. Il n'y a pas à la passe de Méchac Jérôme, il joue en direction de Gabousson. Attaque, on attend le centre va venir. Ballon balancé, mais la fin finale de Pierrot. Et on fait en 7ème bol pour Jérôme Faïsien. Jérôme Pierre, c'est une dégâtion la donne. Une dégâtion, notre frappe de France, c'est Pierrot. C'est le ballon qui se tient en corner. Deux plus action. Oui, la Moussoula. Corner sur le ballon, c'est bien Soli Moustivar, même mal exécuté, ballon repoussé au niveau de la défense, la deuxième balle favorable pour nous, la passe en direction de qui? Ah oui, attaque et dribble, la passe en direction de Brian Azeus, le centre de la boîte, ballon repoussé de la tête, par Thiago, la deuxième balle qualité, par la passe vient de Jeffrey, pour tirer Nazon, Nazon qui va tirer, la frappe de Nazon, Jérôme, Nazon marqué, pour 7ème goal, 6-0 de l'ensemble, si vous nous rejoignez à peine, 5 en première période, et puis de retour des vestiaires, nous avons marqué notre goal par Chaleur Junior, Jérôme. C'est ça, on revoit la frappe de Dukens Nazon qui est passé au-dessus de la barre transversale. Voilà, encore une fois, madame, messieurs, la frappe du pied droit de Dukens Nazon. Vous le savez rapidement. Voilà, ballon pour le goalkeeper. Attention, le ballon plutôt à droite. Il passe dans le couloir. Ballon à Chris Carlens. Arcus Carlens. Ballon 20, 20 pieds. Il vient du bandant. Attention, bien joué. La passe à gauche pour Will Donald Guerrier. Will Donald Guerrier, il fait l'entrée terrain. 20 Pierrot, ballon donc pour James Geoffrey, ballon contrôlé par Brian Alceus, ballon pour James Geoffrey, Brian Alceus, il écarte Sonny Mustival, Mustival, fait un retrait, et pour Goldipel, la palais de Johnny Placide, contrôle semelle, il joue latéralement vers Donald Guerrier, la réception est parfaite, il y a faute.
process technique réalisé par Wim de Donald Guerrier pour FK Karabakh contre Azerbaïdjan. FK Karabakh. Les deux joueurs de l'équipe ce matin. Ils ont été la terre et l'équipe haïtienne a perdu le ballon. Ils ont attaqué pour les visiteurs. Ballon donc pour l'équipe de Saint-Martin. La passe à gauche. Quelle anticipation. Bien joué. Attaque de l'équipe haïtienne. Agus Talent. Agus Talent. Le libre. Attention. Non. Quel travail a été fait encore. Oui, mais c'est la plus molle. Mais c'est plus sûr. Oui. Péché gentil, ce qui vient de se donner sous les frappes. Ballon pour Johnny Placide. C'est un bon match assassin. Défense pour l'attaque. On demande de près de 50 mètres pour Agus Talent. Oui, attention, la déviation. Charlie Hall Junior, le sixième kicker de l'équipe haïtienne. Donald Guerrier, le centre. Oh non! Il est capable de frapper à bout portant. Instantané. Reprise instantanée. On espère que Grenadier ne va pas tomber dans la facilité de jouer. Oui, oui. S'il est vrai, dans la physionomie de match là, dans le match qui va se dérouler là, formation, ce matin, il n'est pas capable de retourner jusqu'à présent. D'après ça, la contre nous. Mais attention, l'autre adversaire est sous nous. En tout cas, pas que nous avons mené 2-0 sous Pierre Française. Oui. Nous allons préciser que dans le même stade, ça qui est privé nous de la Gold Cup. Attention, la sortie de Johnny Placide. Bien joué, bonne lecture de Johnny Placide. Johnny Placide, la longue balle transversale. Oui, Donald Guerrier. Oui, monsieur Gabin, pile pour ballon Charlie Hall Junior, débordement. Il joue dans l'axe pour jouer sa zone. Oui, petit Pierrot. Le ballon est sorti. Dommage. La petite des joueurs bien. Alors, pour une précision qui était de côté de vous. Et on va pour Oscar, téléspectateur de la télévision nationale qui a suivi dans le moment. Lors de défaite de votre équipe qui a posé ça dans cette table, c'était une occasion pour Caraïbes. Alors que c'était Nicaragua de mettre le dehors, c'est Nicaragua qui mettait le dehors dans le Gold Cup. Les deux gauchers jouent entre eux. Attention, Donald Guerrier, Sonny Bustula, ballon perdu, la déviation, dégagement. Ce ballon qui se tire touche. 6 buts à 0 pour l'équipe haïtienne. Le temps pour nous que gagner l'équipe du Bendon qui va tuer le Kaikos. On se voit à 0. C'est plus si lui-même, il fait une belle victoire 3-0 contre un 6-3. C'est adversaire nous, c'est plus équipe que nous sommes cités là. C'est plus gagné Nicaragua, qui ne bat qui piège, et deux voilà c'est où. C'est des résultats qui ont discuté dans 4 minutes. Waka. Jean Daniel Joseph. Waka. Mon cœur de Radio Télévision Megasta, lui-même a suivi le déplacement dans le Canada. Et il passait par une salutation pour avec l'équipe de l'Institut National. Et nous-mêmes tous, nous retournons à lui-même. Oui. Et Joseph Jean Daniel, Waka. Attention! 8-0, si c'est Agus Talent qui frappe autant, si Agus Talent qui frappe autant, ah oui, c'est Agus. Oui, Agus Talent, il fait une bonne chose. Oui. Il fait un gros match pour la distance. Les spectateurs de l'émission nationale d'Haïti, je vais vous prendre.
Donc 7-0 pour les Haïtiens. Ça va jouer beaucoup à la rame. Donc c'est Malon. Encore une pièce qui à la 68e minute. Donc deuxième goal dans la deuxième mi-temps qui fait 7-0 pour Haïti à Fiscalin. Qui depuis tout un bon match de goal là d'ailleurs, il n'a pas joué comme défenseur. Il a joué comme demi latéral droite. Donc c'est ça, il n'a pas joué comme arrière latéral droite. C'est vrai qu'il va être très offensif. Très offensif. D'abord, non. Plan de jeu. Alors d'abord dans haute départ là, proposition de la jouer ça, c'est très offensif. Et puis dans animation qui est super, où Akus Kalens qui paraît derrière. C'est voilà, ballon contre les parties de Stazon, d'aller en retrait, en direction de Oh! Ballon, il revient à la charge, il a intelligemment, défense la direction, il veut trop, défense la main, perd son propre, ballon. Gol, 8e goal. Dites Stazon qui a marqué le 8e but de l'équipe haïtienne de football de la sélection. Navosila, Dites Stazon qui a profité de festival de Consistat pour marquer plusieurs goals. Il a marqué 4 dans l'ensemble. 4 goals pour Dites Stazon. Il a gagné un goal de Diaro, également de la pression. Chaleur du Noraké, c'est la fête pour les Haïtiens, changement, c'est le premier changement qu'il a fait, Jérôme. Oui, c'est Brian Alcéus qui a sorti. C'est Zachary Erifo qui remplace Brian Alcéus. Donc c'est un changement poste pour poste. Et par le deuxième changement, c'est Jeff Lui. À la place de Chaleurol Junior. Chaleurol Junior. Alors, félicitez par le public. Oui, monsieur, son bon match. D'abord, c'est lui qui a l'initiative de 8e goal parce que c'est lui qui ouvre le ballon dans le couloir droit pour Akus Kalens. Akus Kalens va le centrer. Et puis, dans le bouche-temps, c'est une présence du Kensinazon qui va le mettre ballon assez facile au fond des filets. Qui manquait de 3 riblés et qui mettait ce goal à 8 goals à 0. 8 goals à 0, Lyon équipe haïtienne qui se route pour marquer l'autre goal toujours, puisque offensivement parlant, il faut permettre de prendre un appât. Lyon équipe, donc, mesdames et messieurs, ce matin, Lyon titan inexistant, Lyon rencontre qui presque sans goût pour eux, donc des tickets sont sans ambiance, l'équipe haïtienne. Mène 8 goals à 0. La passe en retrait vers Méchac Jérôme qui ouvre le ballon de Ricardo Adé. Ricardo qui remet le ballon vers Méchac qui met de côté en direction de Will Donald Verrier. Est-ce qu'il a pris bon contrôle, réception de Will Donald qui va mettre en retrait d'aller en retrait vers Zachary Rico en déclinaison du Genstazon. Que va-t-il faire du Genstazon qui est dans cette ville? La passe profondeur de l'équipe de ce matin repart à l'offensive, mesdames et messieurs. La passeur de sa vie que c'était et prendre le produit sur même ballon perdu et mauvais contrôle. Le ballon est pris en touche. Touche pour l'équipe haïtienne. Touche exécutée rapidement. Et pour l'équipe haïtienne, même 1 à 0. La passeur, Ricardo Adé toujours. La longue balle sur le flanc gauche. Donald, résiste de la voie fine. Donald est capable de tirer. Donald, dans l'intention de Nazon. Oui. Quel jeu de ce ballon, attention, 8e goal, 9e goal, Jérôme,
goal. Un véritable festival de l'équipe haïtienne. C'est Chicken Flaçon. 9-0. 9-0 pour l'équipe haïtienne, amis téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Oui, nous sommes en direct depuis le stade de Cap-Nord, à l'occasion de la libération de la CONCACAF. En ce moment, il est en train de pulvériser l'équipe de Saint-Martin. Le Grenadier mène 8-0, 9-0 disons. Oui, la passe en retrait vers Méchac, Méchac, ballon perdu, récupération. L'équipe haïtienne fait le show en venant de Saint-Louis Stilor qui repart à l'offensive. Ballon perdu et dégagé. La deuxième balle contrôlée par Intermar de la course. Intermar de la course. Château raté qui contrôle le ballon. Le pied calme. Voilà, c'est la fin. L'équipe haïtienne fait le show. C'est elle qui fait le show. C'est le pied mal au pied. C'est le pied mal. C'est le pied mal au espace. Ballon perdu. Récupération. La passe au fondeur. De la Esprit Balère, qui font des contrôles, et qui va le faire plus positionnant, et qui tient trois combinaisons de la décision de la Ducale, la Ducale qui se tient de près, cette action a pris au point et qui est pour les visiteuses, dépassées par les événements de l'Europe, 9-0. C'est un carté, un festival, l'équipe de Saint-Martin, et qui sans inspiration, et attention, tu fais raison. Contre le ballon de Jason, Donald Berger n'a pas encore marqué. On peut dire que c'est faute de balle. Même pas comme les jeux manger. C'est peut-être faute de la petite à la base, si vous avez fait là. En tout cas, les autres médias, on va voir ça au ralenti. On va voir ça au ralenti. Voilà. Donald Berger frappe, votre parole lâche, on est rendu ça là. Ça, pas de l'autre, il n'y a pas de point de vue. Depuis, d'abord, après ce qu'on a dit, ouais, le dire, je suis là pour vous voir, mais après ce qu'on a dit, alors, faut que nous disions que, précision que nous reproduisons sur Maxime, on dit que Maxime, il pense à que les téléspectateurs ont regardé, hein. Ce n'est pas réalisation télévision nationale d'Haïti, c'est un vidéo banou. Ok, ce n'est pas réalisation télévision nationale d'Haïti, c'est un vidéo banou et que nous-mêmes n'avons pas de réalisation. Pour ce Ottawa qui dit imperfection au niveau de réalisation. Ce n'est pas tout pinceau d'être. Donc, on continue de nous dire que nous avons besoin de oui, c'était vraiment long bol tout fait. Il a déjà évolué dans des petits côté de Bakou, Bakou à Azerbaïdjan. D'ailleurs, le Tchad, il est dans la même ville avec Karabakh, toujours en pays Azerbaïdjan. Tu fais la joie sorti. Oui, au passionné. Ah oui, football, le début d'Aïs. Eric Etienne. Oui, Eric Etienne. C'est le frère Daniel Etienne. Daniel Etienne, qui est au de l'Aïs. Le fond Michao, d'accord, pour le côté, les couleurs. Et c'est Michao, c'est le côté Michao. C'est Rob Etienne, c'est Rob Etienne. C'est le frère. Tout le fond est d'accord. D'accord, boy. Tout le monde est d'accord pour le côté couleur, c'est le Aïs. Eric Etienne qui a évolué dans New York Red Bull. Oui, oui. Attention. Oui, attention, ballon sorti en touche. 9-0, c'est ça? Oui, 9-0. Pas quitter pour question, tu dois en nous aussi. Oui,
festival offensif. Bien profiter pour nous rappeler qu'il y a un billet de Taïsienne. Olé, olé. Oui, ça c'est bien. Au niveau de gradin, central là. Oui. Oh, pour qui partie nous perdons, mais on va mettre. Au départ, public était timide. Au départ, public était très timide. On a fait ceci, mais. Match Nicaragua, la bien bouge au Bermude, ensuite la bien bouge la Dominique, et puis la bien bouge Saint-Martin français. Alors, c'est ça le d'accord, j'en prends des précisions, parce que Saint-Martin, ça, c'est Saint-Martin néerlandais. Donc, ça t'a dit que c'est un état autonome, mais dépendant de Royaume Pays-Bas. Oui, pays du tonnerre. Après ton important momentanément du campé, puisque tu étais un joueur équipe ce matin qui était touché. Formation haïtienne capable de marquer. Et voilà. Derrick Etienne a fait le bien jeu. Derrick Etienne, 211, inscrit 10e goal pour la sélection haïtienne de football. Il est buteur contre la sélection des moins de 20 ans. Non, match de sélection, ça a été un bon âge. C'était un match amical, il est battant à Saint-Marc. Et qui va être de la Sugola, c'est qui est le troisième goal, espérer que quelqu'un toujours. Derrick Etienne, qui est même sur le match là. Comme si nous ça fait 10 à 0, on peut même les voix qui fait au point. Comme si ça va être ça va être les voix qui là, tout dans le cadre. Les voix qui au point 4 goals. Au moins 4 goals. Voilà la hausse de l'action. Le 10e but. Non, mais c'est pas le bagage, c'est pas le bagage. 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 Mais n'empêche que l'équipe ce matin toujours gagnée. Quel festival, quel raclé, quelle catastrophe pour l'équipe de ce matin qui encaisse 11 goals. Bien joué, Donald Gagné pour Manon. Ça t'étonne, Steven, bien, Virgil. 11 goals, Donald Gagné pour Comac. C'est étonnant. À 11 goals à
Zero. Donald Gaillet pour combattre. Attention. Ballon pour Jeffrey. Artiste Calais, parce que tout près du bleu personnel de maintenant. Il est un peu beaucoup pour ça. Ballon en train de se casser. Et comme si il y a un ballon pour saisir. Oui. Pas de ballon sur le bleu. Parce que c'est le premier quand. Joue misère Philippe. 11-0, madame. 11-0. Donc, on va capable de gagner, on va capable de dire que c'est ma visa. Oui. Et c'est moi qui t'ai dit. Moi, frère, j'aurai le chat qui sort de mon côté. Même les gens, je vais vous mettre avec ça. Bah, ça passe les deux, c'est ma vie. On va prendre diverses politiques et professions. Diverses professions. Attention, voilà. Ballon en retrait, 11-0. Voilà. Voilà, merci pour la précision. L'équipe haïtienne a mené 11-0. Yo équipe, ce matin, qui n'a pas existé dans le match là. Donc, on va comprendre ça. Lance-Bolan, répété, physionomie dans le bout de là. C'est une équipe à sens unique. Zéro parade pour Placide Johnny. Pour mettre votre rondine à balayer la fin de ligne. Pour mettre votre écran de terre devant la galerie de journalistes. Qui va piquer t-il? Entre temps, mesdames, messieurs, l'équipe de Saint-Martin, pour la balle. Oui, mauvais contrôle. Attaque. Oui, il est capable de jouer en avant avec Jeffrey. Jeffrey tiré. Deux buts. C'était capable de 12e goal là. Mais toujours été 11. Ça veut que le ballon était dévié. Ballon qui allait en corner. C'est pas en corner. C'est pas le fait rapidement. Amis téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. On profite de l'occasion pour saluer Serge Bénévé Seffer. Salutations également à Nathan Charles-Joseph, Serge Bénévé, Félix Bénévé. Oui, ballon balancé et corner, mais ils ont dévié sur la tête, qui n'a pas voté en rien. Ils ont ballon qui passe également. Oui, à Erivo Zachary, qui allait en retrait, vers Métac Jérôme. Métac Jérôme, il joue dans la boîte. Oui, Nathalie, qui est au pied, dans zone ça, côté la première, attention. Déviation, Lyon ballon social gros en corner et Lyon corner favorable pour nos jeunes grenadiers qui mènent 11 goals à 0 au dépend de l'équipe de Saint-Martin dépassé par les événements. Corner balancé, déviation de la tête et avec la bataille de Lyon football favorable pour l'équipe de blanc et rouge, mesdames, messieurs. Vous êtes en direct, nous sommes en direct, disons, au niveau et donc le stade de 14 pour cette rencontre opposant Haïti à l'équipe de ce matin. C'est une misère ce matin passé. Même on a parlé à la ligue de 11 goals et pas dans rien qui ne pas prendre toujours. Même si on a fait le gardien, nos équipes ont toujours été limitées, que ce soit en défense, que ce soit en attaque ou encore en milieu de terrain. Nos équipes n'ont pas existé du tout. Manville, c'est son équipe qui est presque nulle. Même nous dit presque. Le ballon qui sortit en touche. Chaque, tout le monde qui branche TNH. Oui. En ville province. Moun Solino, Moun Le Soleil, Moun Belair, Moun Tanel, que nous à côté où il y a un TNH. Nos amis de la Diaspora. Vous êtes salués. Nos confrères. Et donc voilà. Oui. Et tu es fait un champ. Tu as salué mon frère.
nous sommes nous aussi côté de tout le monde qui a bloqué. Attention là, on s'attend au point. Il n'y a plus qui pas en activité. Ouais, montre nous ça, on peut se manquer, oui. Il n'y a plus qui lui-même dit avec équipe réserve, formation, quand lui-même dit à l'autre. Donc, à tout ça, non, Ligue 1, pas en activité. Donc, tout ça, c'est vraiment, et ça fait faire du place. Rappelez-nous dans l'interview de Tébaï. Annoncé ça, vous connaissez que lui a fait un petit peu ça, mais que ce soit sur le point touche, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur le monté, la pointe est capable d'aider l'équipe là à faire victoire. Bien plus pendant toutes les tentatives que j'ai fait là, nous, c'est des tentatives qui sont suivies vraiment que lui. En parlant de Jessie, voilà le ballon, il a fait Jessie qui est proche, qui est passé là maintenant, et il veut bien estimer, il veut bien bien jouer. Après que Jonathan est formaté, mais c'est son bon match. Oui, c'est son bon match. Dans le début match, il a été utilisé pour à gauche là en pile. Oui. Et c'est à chaque fois que Jonathan Guerrier, parce que c'est ça, il y a le plus dans le match là. Oui. Et Jonathan Guerrier, mais pour, quand on parle de Jonathan là, il y a un joueur qui est acquis de Calen, qui a chavé plus qu'à ici en tout. Très bon. Du côté droit là, c'est parce qu'il y a un peu de monde qui va te connaître que M. Desjardins a passé ça, pour qu'il évolue pour qu'il y ait 2000 à la droite. Et c'est comme c'est presque en milieu de terrain. Et par moment, il est en position déliée. Oui, par moment, il est en position déliée d'ailleurs. Pour lui, il va marquer. Parce que c'est dans la situation. Mais si on débordait mon tout à l'heure, on se débordé par de près de 50 mètres pour Akus Kalen, il avait allé contre le coup. Non seulement il y a une capacité, chaque défense qui va faire mal déjà, mais il y a une capacité pour faire le ballon, pour que lorsque le ballon, il y a le bagage. Il y a le ballon, il est capable de tirer, de conserver, de tenter des fils, de bonnes passes. Attention, nos contrôles manquent. En parlant de vous de la guerre, en parlant de l'équipe de l'ensemble, est-ce que nous avons si on équipe en gros match, est-ce qu'on a fait ça par les côtes, on a préféré dire que nous passer ça. Non, il doit toujours dire que l'adversaire est faible. Il faut garder les comportements de l'équipe la plus grande. C'est jeu d'ensemble, agressivité, comportement, tout est avec la présence de l'équipe. Les précisions, tout ça, c'est ça. C'est vrai que vous devez toujours dire adversaire. C'est très bien, Pierre-Miguel, c'est super ça. Mais c'est comportement du Baïsien qui est plus intéressé. Ça veut dire que Argentine est joué. Renversement de jeu. Et qualité est toujours là. Non, qualité est toujours là. Mais c'est normal, tout c'est avec un adversaire ça. Ou même vous profitez, montrez son gré. C'est pas pour rien que Argentine débute son match avec Haïti. Vous songez ça. D'ailleurs, c'est le dernier match officiel avec Haïti. Nous avons battu 4-0, mais écoutez, nous connaissons que Haïti soit une équipe qui fait par rapport à nous. Certainement. C'est parce que des bagailles ont besoin de chercher, des bagailles ont besoin d'essayer. Donc, nous choisissons un adversaire qui est faible pour essayer tout ça. Nous voulons essayer avant de mondialiser. Donc, c'est pour vous dire que. Et les gens qui ont des talents, ce n'est pas parce que pour faire ces faibles défenses qui fait que n'y a pas de talent, non. On va se lancer d'autres matchs presque à 8-2. Vous pouvez faire un peu de ça. Oui. Mais est-ce qu'on peut arriver que pour ce match pour un gros match? Non, pas capable de ça. On ne peut pas dire que Messi pas un gros match. C'était juste un parenthèse. Justement, attention, la passe à gauche. Où de la tête? Vous avez gagné? On a en jeu. Environ 7e minute. Donc nous sommes à 7 minutes de la fin. C'est un commentaire. Alors, bienvenue pour la l'autre 38 plus 45. Là, on est à 83. Donc nous sommes à 7 minutes de la fin de cette rencontre. En tout cas, ballon pour Ricardo Adé. Ricardo Adé. Ballon à gauche. On se fait tout simplement donner un joueur cimenté qui était à terre. Prochain adversaire nous prépare, c'est Pussy. C'est Pussy qui bat Antibois et Bamouda. 3 goals à 0. 13 octobre 2018, Haïti, c'est Pussy. Oui, statique au tableau. Ambiance non, à continuer. Le seul contre Duba a tué en déplacement. Contre le Saint-Pierre, contre le Nicaragua, c'est un stade.
Alors nous avons bien pour te recevoir. Nicaragua. Et Nicaragua. D'abord, si on m'a dit Nicaragua, mais c'est ici, parce que la difficulté qui est au gagné, fait que c'est nous-mêmes qui allons recevoir l'information de ici. C'est ici que nous avons 11 goals à 0. Vous êtes une pour chaque coup, c'est Jérémy Kétienne, est-ce que la finale est belle? Possibilité, possibilité. Donald Gaillet est dans le deuxième pour toi. Bon sang. Oui, c'est pas fini. Donald Gaillet, le centre, va le relâcher. Je capte un but. C'est ça qu'elle va prendre de l'île. Bralton pour moi. Bralton pour moi. Est-ce que le portier réserviste limite les gars, ne va pas encaisser? Ça veut dire la limite de taille, c'est vraiment. Ricardo Adé, quelle réception de Ricardo Adé. En position de milieu, et défensif. Ricardo Adé, très bonne passe. Joue dans l'axe, Jeff Lee, le prochain, la passe, de la milieu libre, frappe, Nous récitons 12 maintenant. 12-0 pour l'équipe haïtienne. Alors que nous jouons la 41e minute de jeu. La possible là. Cette frappe là. Extérieur pied droit. Cette frappe mondiale. En dehors de la surface de la partie également. 12 goals à 0 pour Haïtienne, amis sportifs. Si vous avez peine rejoindre nous, c'est maté à prenez un moment difficile aussi. C'est le cas de l'Europe, vous ne pouvez pas faire oublier. Nous sommes déjà. Nous sommes route pour que nous mettions l'autre bobo. Ballon contrôlé en défense pour l'équipe ce matin avec qui nous la passe en profondeur. Donald Gaillet prend le ballon. Zachary Elko, Zachary, pour Mustiba, Sony, la passe en profondeur. Deuxième goal peut-être, mais ballon repoussé au niveau de la défense de l'équipe ce matin. Le ballon qui sort en touche. Zachary Elko va effectuer, mesdames et messieurs, la retraite du champion. L'équipe haïtienne, il s'est salvé. Oui, Donald Guerrier, Donald, ballon perdu, la deuxième balle, Guerrier Matin Jeffrap, qui joue en retrait vers Méchac de la tête, Méchac est toujours en dessous de Jet Louis, oui, la série de la Esprit Malin, qui ouvre la balle sur le plan droit, perdu à l'ensemble, on a dans le centre qui est dans la venue même, ballon qui est déjà fini, c'est ça qui est assistanti, mesdames, messieurs, pas loin. De faire un match de football, Ligue des Nations de la CONCACAF. C'est une nouvelle compétition. Donc, nous avons c'est le premier joueur qui a joué. Nous avons parlé à la Haïti à mener. 12 goals à 0. Oui. 12 goals à 0. Il faut le faire. Jeff Lee, des ballons. Jeff Lee, il fait 10 jours. Il va mettre le gros pied. 13 goals à 0. 13 goals à 0. 13 goals à 0. Jeff Lee, Jeff Lee. 13e but de l'équipe haïtienne. Quel festival! Le 13e but, madame, messieurs, pour l'équipe haïtienne. Il porte la signature de Jeff Lee. Publiquement joué de Jodia. Il y a Michel Gagil. Publiquement joué pour Poblia. Oui, 13 goals. Et possibilité pour marquer d'autres buts. Attaque pour l'équipe de Saint-Martin. Le de Saoud qui a le ballon. La passe en profondeur. Non, il y a le Manchester de Saint-Martin qui est très gêné par Zachary Elko qui force le jouer en retrait. Mais qui obéit du ballon. Zachary dégagé. Zachary. La passe en profondeur, la pressée pour l'équipe haïtienne. Oh, c'est la nouvelle vie. C'est le petit bar. Jeff Lee, Jeff Lee, ouvre la balle sur le plan noir. Accouche par l'équipe haïtienne. Jeff Lee, l'équipe haïtienne qui a fait l'essentiel. Marc Galins a échoué. On demande 11, je vais 11. On demande 12. Je vais 12. On demande 13. Je vais 13. Laisse-moi de 14. De 14 tout. Voilà. Nous étions deux. Nous étions deux.
Lens nous était deux avant aujourd'hui donc les spectateurs nous que match à 13 goals à 0 là. Oui. Lens dit deux à nous manquer pour Maïtis. Oui. Un bon froid. Voilà. Attaque pour l'équipe de Saint-Martin en territoire de l'équipe haïtienne. Nous pas rappeler nous qui nous tapons les 22 parce que dégagé. Voilà. Une équipe Saint-Martin limitée d'équipement. Une équipe inexistante. Nous sommes proches de la fin de cette rencontre. Dégagement en direction de Eric Dugan-Etienne. La passe à l'autre vers Donald. Donald qui va contrôler. Donald Guerguet qui peut tirer. Oui, Donald Guerguet. Avance au Jabel. Jabel. Oh! Il a tout fait. Malheureusement, ballon parti dans le filet. Vraiment. Oui, Donald Guerguet qui a tiré. Mais le portier a évité. Encore le but. Oui, parce que Donald Guerguet était supposé lever ballon. Et à plus aucun. Il fait le rassol. Donc il peut en jouer. La passe sur le flanc gauche. 2 minutes de partitionnel. De madame, monsieur. Les 90 minutes sont bel et bien écoulées. Sans doute. La passe en direction de Zachary. Passe de Jeffrey. Zachary sur le flanc droit. Zachary qui prend du champ. Oui, Zachary, que va-t-il faire? Oui, il est très calme. Zachary pour la déviation. Oui, Junior Derrick. Derrick, Junior Etienne. Ouais, il est très calme. Il fait écouler les secondes. Et puis, ça t'appelle. Et Jérôme Palatino pour rejoindre la team. Il y a plein de poils de jouer. Lors de l'Union et puis c'est Puyel. Oui, bien. Format petit, ça a tout ton travail goal. C'est pas goal. Tout ton travail de faire goal, c'est faire goal. L'important c'est de gagner avec les scores village et bien c'est ça qui fait la très bonne à son poitrine. Là, tant que tu l'as, tant que tu vas faire bol, et la première tour, on est toujours dans le classement. Et tu t'es rappelé encore. Et que là, c'est une nouvelle compétition. On va se limiter et bien sûr, tu es même si c'est des matchs amicales. Très important, c'est de vous organiser dans la zone. Et même en Europe, c'est quasiment pour ça. Et puis, tout, on va trouver des compétitions dans la classe. Et puis, tant que ce matin, on va jouer. Moi, c'est matin, quand il est près de. De 2014 à 2016, il va jouer. Et avant ça, il va faire 12 ans, il va jouer une compétition. Ce matin, je vous dis qu'un seul mois, c'est un joueur qui a fait 2 heures. Après sa passion, on va jouer. Bon joueur, Aïssé qui est à terre. Et nous pouvons capables de jouer. C'est Jeff. Vous espérez qu'il n'y a pas de programme. Oui. Pour la PV, il a pris des coups. Il a pris des coups. Et si c'est équipe qui est exempte de première partie de la nation, qui sont en phase qualification du World Cup, si c'est équipe ça, c'est États-Unis, Panama, Costa Rica, Honduras, Trinidad, et puis Mexique, et même le tout cas du World Cup. Et puis, l'autre fait partie de Ligue A. Il y a présent 10 autres équipes qui sont sorties dans le premier dans chaque groupe que vous calmez. Si c'est équipe ça, après vous-même, qualifié, un, pour le monde de Ligue A, la division du Médiolan, et puis deux, qualifié du World Cup. Et trois, qui ont plus accès. C'est fini. Bon, 13 buts à 0 pour l'équipe haïtienne contre Saint-Martin avec 5 buts de Kiké Tchanson. On nous rappelle rapidement vite avant de clôturer le choix. 10 minutes et on manque son temps de visa au Corsair au Cobol, 6 minutes et 43 minutes de station ils sont passés dans une vidéo du marqué pour Haïti 47 minutes Charlie Wall Junior du marqué 76e minute Marcus Calais du marqué 77e minute de station encore 66e minute de station Derrick Etienne 26 euros et puis 46e minute Olivier Zoura qui a pris 47e minute c'est donc l'ensemble de plusieurs arrêts pour la sélection haïtienne de football. Et puis, prochain match pour Haïti, c'est Pralto. 13 octobre contre Saint-Lucie, 17 octobre Haïti au Nicaragua, 24 mars Haïti Cuba. C'est ça, merci à tous les auditeurs et les spectateurs qui ont choisi de brancher la télévision nationale d'Haïti. Merci à toute l'équipe technique. Je salue le réalisateur, nous, Kem Joachim, Bolnave, Daniel Bolnave, Junior Avril, et Emmanuel Arturé, qui est sous caméra. Et puis, et Joël Nominus, Jean-Garry Adrien, et Valdrin,
et qui était ensemble avec nous, Véril Valdrin, et puis toute cette équipe-là qui t'a accompagné, donc tu peux te permettre, et bien, Matsa, rentrer la caillou. Et pour te assurer, votre solution, nous te trois, Pierre-Miguel Pierre-Gilles, Steven Sauvigné et moi-même, Pierre Jérôme, rendez-vous, c'est prêt pour le 13 octobre, Haïti, c'est plus 10, mais c'est pas encore au stade Sylvio 14. Bye bye tout le monde, à la prochaine, j'étais branché Télévision Sud d'Haïti pour suite.